Coon, la plus grande race de chats. Le Maine Coon est une race de chat connue pour sa grande taille et sa tête si spécifique. Chat géant, ce félin d'origine américaine a su séduire par sa douceur et son physique hors norme. Le Maine Coon est la plus grande race de chat connue. Selon une légende, il serait le produit de l'accouplement de chats sauvages de l'État du Maine aux États-Unis avec des ratons laveurs, raccoon en anglais, d'où son nom. C'est un chat adorable et intelligent qui en fait un très bon animal de compagnie. Doux, gentil, affectueux, les raisons d'apprécier le Maine Coon ne manquent pas. Ce chat de très grande taille peut atteindre plus d'un mètre de longueur, du museau au bout de la queue. Taille, jusqu'à 1 mètre de longueur, poids, 5 à 10 kg, poil, mi-long, couleur, marron, la plus répandue, mais aussi blanc, noir, roux, espérance de vie, de 14 à 20 ans, durée de gestation, 65 jours. Le Maine Coon est imposant par sa taille hors norme pour un chat qui lui donne une apparence sauvage. La femelle est de taille moins importante que le mâle. Le Maine Coon est reconnaissable par son corps rectangulaire et sa musculature puissante. Son museau est très prononcé et il a de grandes oreilles très droites sur le haut de la tête, ornées de petites touffes de poils en forme de plumet. Ses grands yeux sont ovales d'une couleur qui varie du jaune au cuivre en passant par le vert et le doré. Son poil est mi-long et soyeux d'une longueur inégale sur son corps. Il est plus long sur le dos et les flancs. Le Maine Coon a la particularité de posséder une collerette épaisse de poils autour de son cou qu'il perd en été. Sa queue est très longue et fournie. Le Maine Coon est originaire de l'État du Maine aux États-Unis. Il pourrait être le résultat de croisements entre des chats semi-sauvages de cette région et des chats angora importés par les colons européens aux États-Unis. Apparu au 19e siècle, c'est véritablement depuis 1950 que le Maine Coon connaît ses lettres de noblesse. C'est un chat très répandu chez les Américains mais aussi en Europe depuis les années 1990 où le Maine Coon est la race qui compte le plus d'inscrits au livre officiel des origines félines, LOOF. Derrière sa carrure imposante, le Maine Coon est en fait un chat doux et paisible, facile à dresser et qu'il est même possible de promener en laisse. Il est aussi très joueur et curieux. C'est un chat très affectueux qui aime les caresses. Il aime dialoguer avec ses maîtres par des sons qui ressemblent davantage à des roucoulements qu'à des miaulements. Le Maine Coon est un parfait animal de compagnie qui s'entend très bien avec les enfants et qui s'adapte parfaitement à la présence d'autres animaux, chats ou chiens. Malgré son instinct de chasseur, le Maine Coon n'est pas un chat qui court et grimpe partout dans une maison. Le Maine Coon peut vivre en ville en appartement, mais il apprécie de pouvoir sortir car il a besoin de faire de l'exercice. Un arbre à chat et des perchoirs lui permettront de se dépenser s'il ne dispose pas d'un endroit extérieur. Compte tenu de sa taille importante à l'âge adulte, il faut pouvoir lui prévoir assez d'espace, notamment s'il vit en appartement. Son pelage nécessite un brossage hebdomadaire pour éviter que ses poils s'en mêlent, et même quotidien en période de mue, le printemps et l'été, pour que le Maine Coon n'avale pas ses poils morts. La croissance du Maine Coon est longue, il atteint sa taille adulte au bout de 4 ans. Cette période demande un suivi particulier et nécessite notamment une alimentation bien équilibrée.
Si le Maine Coon est imposant, cela ne veut pas dire qu'il faille le nourrir énormément car cette race est sujette à l'engraissement. Par contre, son alimentation doit rester riche tout le temps de sa longue croissance. Le Maine Coon va donc consommer plus longtemps que les autres chats des croquettes pour chatons, plus riches. Son poil on nécessite plus d'apport en protéines et en acides gras que la moyenne des chats. Par contre, comme toutes les autres races de chats, le Maine Coon a besoin d'une nourriture riche en protéines d'origine animale, viande, poissons et crustacés, présente dans la plupart des boîtes et croquettes pour chats de bonne qualité. Pour être en bonne santé, le Maine Coon a besoin d'eau en abondance et de manière permanente. Le Maine Coon est une race à consanguinité importante. De ce fait, certaines maladies le touchent plus particulièrement, la dysplasie de la hanche, malformation héréditaire de l'articulation de la hanche dont la conséquence est la disparition du cartilage. Cette maladie se développe d'autant plus si le Maine Coon est obèse. La cardiomyopathie hypertrophique féline, il s'agit d'une insuffisance cardiaque d'ordre génétique mais qui peut aussi être due à une alimentation trop faible en acides aminés. La polykystose rénale se traduit par l'apparition de kystes qui compriment le tissu rénal et empêchent le rein de fonctionner normalement, l'amyotrophie spinale, maladie des cellules nerveuses qui se traduit par une atrophie et une faiblesse musculaire. Merci d'avoir vu cette vidéo, à bientôt.